Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Raider, mais vous pouvez m'appeler Tribal. Et bienvenue pour l'épisode 56 sur Fallout New Vegas. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous avez été gâtés, et surtout que vous avez profité de vos proches, parce que pour moi c'est vraiment le plus important. Donc, voilà, petite parenthèse fermée, hein, mais je voulais le dire, parce que je trouve que c'est assez important. On retourne un petit peu sur le jeu. Alors, la dernière fois, on avait été récupérer Lily. Un super mutant assez charismatique, va-t-on dire. On nous avait aussi donné une mission, c'est d'aller au niveau d'une tanière de crocs, voir qu'est-ce qui se passe, chercher l'origine de la mutation furtive des crocs. Du coup, c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Ah, c'est par là. Moi, je croyais qu'il fallait redescendre et tout. Bon, d'accord, on va aller faire ça. Et donc, on s'était rendu à cet énorme chalet, si on peut dire ça comme ça, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas pour moi c'est une station de ski, hein, tout ce qui est le plus basique. Et voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer? Parce que là, à mon avis, ils ont l'air d'avoir bien, bien, bien barricadé les choses. Et il y a un chemin ici. Ah, je sais pas. Oula! Ah, ouf! D'accord. Le jeu nous met des petits. On vient de commencer la vidéo, le jeu direct il nous stresse. On peut passer derrière ou comment ça se passe? Ou je dois faire tout le tour? Je sais pas. Je. Non! J'ai un problème et votre Oula. aide me serait utile. Des mercenaires sont venus harceler la ville par le passé et viennent de réapparaître. Ouais. Comment ils se sont pris pour harceler la ville? Enfin, en même temps, vous êtes des super mutants, quoi. Vous pouvez vous défendre, non? En tuant nos grandes cornes, en tirant sur le lodge, ce genre de choses. Il devient difficile d'empêcher les gens d'exercer des représailles. Pourquoi vous êtes-vous sûr que ces mercenaires travaillent pour la RNC? Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'ils dépendent de la RNC. Mais quel que soit leur patron, ils veulent notre mort ou notre départ. Pourquoi pas ne pas les éliminer? Pourquoi ne pas les éliminer? Oui, bah, parce qu'ils essaient de vivre en paix et la diplomatie, ça commence par voilà, refouler ses envies de vengeance et de violence. Si on prône la diplomatie et le cessez-le-feu et que bah, à la première occasion on en bute, les mecs ils vont dire non mais t'es mignon toi, mais enfin t'en as buté avant quoi. Je pense que c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Je ne cherche pas l'affrontement. Voilà. Ça fournirait à la RNC un prétexte pour venir nous exterminer. Exactement. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes un être humain. Peut-être qu'ils accepteront de vous écouter. Peut-être. Peut-être. Je ne vous demande pas de les tuer. Persuadez-les simplement de partir. S'il le faut, proposez-leur de l'argent. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ne soucie. Frère de quoi? Ah merde, j'ai. La quête a fait. Persuasion musclée. Parler avec le chef des mercenaires qui harcèlent Jacob Stone. Ok. Oh, un petit cœur, ça m'agnore. Bon, on va faire le tour. Il y a le chien. Alors oui, j'ai dit qu'on voulait faire le chien, mais j'ai aussi envie de récupérer Lily comme personnage, comme follower. Du coup, on verra ce. Ah oui. Donc en fait, je me serais fait biaiser. Si jamais j'aurais voulu faire le tour. Wait. Non, si c'est ça, on peut pas faire le tour, hein. Avec des arbres et tout, oh là là, les mecs. Oui, je sais que c'est par là, vous inquiétez pas. Non, il n'y avait qu'une seule entrée. Et, de toute manière, c'est la meilleure chose pour défendre. Hein. Pour se défendre, c'est toujours d'avoir une seule entrée et non pas deux. Non, 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 non. Il fallait bien sortir par là. Eh bah, pour une fois que je me trompe pas, ça fait plaisir, tiens. C'est pas normal, il va y avoir un gros fail. Il va y avoir un gros fail juste après, c'est obligé. Ou la console va crasher, enfin bref.
J'ai quoi quand même? J'ai ça. Ouais. Alors j'ai vu qu'il fallait que je me soigne avec des steam packs pour soigner 10 000 points avec des steam packs. Le problème c'est que j'essaye d'économiser à mort les steam packs. Ah! Oui, oui, c'est là-haut. Et aussi 10 000 points au corps à corps. Ah, carrément! Ouais, bah c'est des expériences de la main humaine, c'est obligé. Genre les mecs ils ont fait oh bon on va installer un petit portail. Eh hey Marcel t'as du fil barbelé. Non non c'est pas possible. Est-ce que j'ai une arme au moins? Canne de cérémonie. Are you fucking killing me? Couteau. Ouais. Je pense que pour le prochain épisode, j'essaierai de voir qu'est-ce que je peux faire parce qu'au niveau des stats, je suis pas non plus fait pour voilà taper au corps à corps quoi. Je fais 0 de dégâts, donc 10 000 points de dégâts, je veux bien, mais ça va être compliqué. Anyway, on va continuer comme ça, on est en mode hardcore et voilà. Ah, toujours accompagné de mon café, hein, ça change pas. Excusez-moi, Lily. Enfin, c'est pas que tu me déranges, hein, mais bon, t'es un peu large, quand même. Wow. Oh. Ça leur apprendra à menacer mes bébés. Ow. Ah, c'est ça, là. Ah, ouais. Pas de droit qu'à ça. Quoi déjà? Oh comment elle l'a raté? Boum! Ça va? Œuf de croque. Putain ils ont tous que des œufs. Que des œufs, des œufs. Que et sans, allez. Ça va? 384 de life. Je pense que ça va. ED. Ah merde, c'est pas ED, c'est Rex. Rex n'en a rien à foutre. Rex est là en mode oh, non mais moi ça va. Oh. Tranquille. Caisse de munitions. Ok, bon, c'était carrément de l'autre côté. Ça y est. Ouais, je crois. J'ai un peu fouillé aussi le chalet hein, quand j'ai voulu bah voilà me désaltérer et manger un petit peu. J'ai été chercher un petit peu dans le chalet et j'ai récupéré des petites choses, des petites munitions, etc. Je pense pas que c'était nécessaire de vous le faire voir parce que je pense que ça sert à rien. Après si vous voulez vraiment vraiment tout voir hein, dites-le moi hein, y a pas de souci hein, j'enregistrerai tout par la suite. Mais bon il y a certains trucs que je passe parce que bon c'est pas spécialement intéressant comme le fait de vendre mes équipements ou de ranger mes équipements avec mes différents followers. Je pense pas que ça soit super intéressant du coup je le fais pas. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Qu'est-ce qu'il a Rex? Il a pas envie? Qu'est-ce qui se passe? Lily. Rex, il est resté là-haut? Pff, Rex, rien à foutre. Ça me concerne pas. Foutez-moi la paix. Allez, des bisous. Bon, un follow.
Bon, il déconne, hein, mais en même temps, on lui a pas changé le cerveau, on va dire. Allez. Et j'aime pas ça. Et j'aime vraiment pas ça. Du coup, attends, je voulais voir un truc aussi que j'ai pas vu. Au niveau de mes stats, surtout au niveau discours, 88. D'accord. Personne ne fera de mal à mes petits. Boum ! Quoi ? Tu ne te calmes pas ! Pourquoi tu te calmes pas ? Ok. On peut monter par là, on peut remonter aussi par là. Bon, on va monter par là, c'est pas grave. 70 munitions, waouh. Au. Boum. Sans, allez, why the fuck not. Ah ouais, ils ont bouffé. Ah oui, ces bébés, c'est les cornes. Ah ouais, carrément, quoi. C'est... Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? J'ai combien de vie? 305 de vie. Ah ouais. Bon, Steampack, on a dit, hein. Steampack. Paf! Déjà ? Ça dure pas longtemps, hein ? Oui. Ça va aller, Chris. Oh, Rex ! Putain, y'en a un qui est venu quand même te chercher au... au tout début de la map, quoi. Sinon, il aurait jamais bougé. Ah. Oh mon dieu. Pendant toute la durée de votre crise. Oh oh. Boum. Une autre. Boum. Nice. Lily, calme-toi. Encore? The fuck. Mais non, me dis pas que tu l'as raté. Non, 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 non. Léo sera déçu qu'il n'y ait personne d'autre à découper. Merde, j'utilise un Steampack alors qu'il faut le PV maintenant. D'accord. Maintenant, faut qu'elle se calme. Waouh. Ça risque d'être compliqué avec ce PNJ. On verra. On verra si on peut pas la soigner. On verra. On essaiera de faire sa mission aussi après celle de Rex. Ouf. Ah d'accord, t'as décidé enfin de te montrer toi. Tu dis tiens, j'ai vu que vous étiez parti sans moi. Bon, je me suis dit allez, pourquoi pas. Y a pas un passage par là? Nope. Ah, ça veut dire qu'il en reste qu'un seul qu'on n'a pas été voir, d'accord. Donc on va retourner dans la flotte parce qu'il y avait un passage où on n'avait pas été sur la droite. Ah. Fouiller nocturne. Stealth mâché. Voilà. Oh, poussin. Ouais, bah alors attends 2 secondes, je vais juste lui filer une arme. Peut-être notre prochaine arme. Maybe. Oh. Ah oui, voilà, pouf. Ok, direct, elle l'a utilisé. Ça va? Tu veux qu'on parle? Je sais pas. Blabla.
Si tu avais entendu Léo, trésor, qu'est-ce qu'il a rigolé quand ce vieil homme dans la boîte a explosé. D'accord. On va... Ah bien. Allez, on va utiliser un... Un Steam Pack. Oh là là. Tous les Stealth Boy et les Steam Pack. Oh, il fait épuiser. Ça dure pas longtemps tout ça. 6 hein. Secondes. Attendez d'ailleurs, il n'y a pas des statistiques en parlant de ça. Général, non. En général, non. Aptitude non plus. Compétences, on sait pas. Il n'y a pas des stats données. Divers. Radio, non. Ok, bon, tant pis. C'était quoi l'option? Demande à Liv. D'accord. Étudier les mutations, d'accord. Ouais. Ah bah si, c'est là. C'est tout droit et après sur la gauche. Oula. Voilà, sur le coup c'est sur la droite. Puis sur la gauche. Et deux, voilà. Nice, ça c'est nickel ça. Comment elle court comme une dératée quoi, c'est stylé quoi. Il y a pas de demi-mesure avec ce personnage, elle fait tout à fond et ça c'est cool quoi. Si je cours, eh ben je cours. S'il faut sprinter, je sprinte. Ah merde, je crois que c'était une plante qu'on pouvait ramasser. Oh, stylé. Bonjour. Tiens. Je peux faire autre chose. J'ai trouvé un self-boy tout mâché dans l'entre-des-croix. Il est encore alimenté, mais la coque est brisée. Je ne peux pas croire que les radiations furtives induisent des mutations si rapidement. Surtout, ça explique pourquoi mes recherches sur ce groupe de crocs n'ont pas débouché sur un remède pour les nocturnes. Je n'ai plus qu'une dernière phase à effectuer. Je dois tester le Mark II sur Lily. C'est la seule façon. Attends. C'est quoi les risques d'abord? Une dégradation mentale immédiate et permanente. Ah. Ce n'est pas pour rien que le Stealth Boy Mark II n'a jamais dépassé le stade du prototype. Lily souffre déjà d'une condition préexistante et l'expérience risque fort d'aggraver encore son état. Pourquoi Lily est pas un autre nocturne? Lily est excentrique, c'est vrai, mais je ne l'ai jamais trouvée dangereuse. Et surtout, elle m'a proposé d'elle-même son aide. Je lui ai clairement parlé des risques, mais elle insiste pour m'aider. Bah, je vais en parler à Lily alors. J'attendrai. Lily. Mamie est vraiment fière de son petit trésor qui a brillamment sauvé le président. Merci. Vous voulez toujours aider le docteur Henry pour son expérimentation? Si jamais t'as pas envie de l'aider pour son expérience, tu me le dis, y a pas de souci. Hein. Bien sûr, trésor. Je sais que c'est dangereux, mais ça va tout arranger, tu verras. Je vais aller le voir. Je ne veux pas le faire attendre. Ok. Bon. L'équipement est branché. Tout est prêt. Nous pouvons commencer le test dès que vous me donnez le signal. Allez-y. Très bien, reculez s'il vous plaît. Je ne veux pas de perturbations dans les résultats. Vous pouvez rester plus loin et regarder si vous voulez. Ok. Tu fais attention à elle. Hein. Très bien, allumez le Stealth Boy, Lily. Je l'allume. Oh,
Je me sens bizarre. Bizarre, mais confortable. Intéressant. Essayez d'avoir des pensées agressives maintenant. Imaginez que vous écrasez un rat de scorpion. Ah, Lily, écrase! Alors, qu'indiquent ces résultats, Calamité? Le champ des furtivités est instable et brouille les données. Les ondes gamma sont à zéro, mais c'est impossible. Les ondes gamma sont à zéro? Ça ne colle pas. Il doit y avoir un artefact. D'accord, ça suffit. Allez-y, éteignez le Stealth Boy, Lily. Oh, j'aimais bien. Je serai disponible dans un moment, quand j'aurai analysé les résultats. Ok. Oh oh. Ok, bon. Ma demande est parfaitement raisonnable. Donnez-nous les caractéristiques du Stealth Boys et nous n'aurons pas à repeindre les murs avec vos organes. Oh 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 oh. Ce que vous faites a des effets sur tous les mutants ici. Vous n'y avez jamais pensé? Non. J'y avais jamais pensé avant. Très bien. Votre argument tient la route. Et je retire ma demande. Et ben voilà. Trop de regards. Voilà, 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 voilà. Allez, on va reparler au docteur. Bien joué avec les Nocturnes. Quand ils ont une idée en tête, je n'ai jamais vu personne les convaincre de quoi que ce soit d'autre. J'ai pu récupérer beaucoup de données utiles de l'expérience. Je me rapproche de plus en plus de ce remède. Cool. Ce bref test risque de ne pas permettre de trouver rapidement un remède. En revanche, si Lily continuait à porter le prototype... Merde, putain, j'ai pas ascension, je suis dagota. Ah, je vais le tenter, même si ça marche pas. Vous avez dit que les cerveaux de Croc étaient similaires, pourquoi ne pas les essayer dessus? La dégénérescence neuronale est rapide après la mort. Ah, et je doute qu'un Croc vivant accepte de se prêter à mon test. Mais on s'en fout, on le chope, mon gars. Lily, elle le serre dans ses bras musclés. Et c'est bon, ça passe, quoi. Allez. Qu'est-ce qui va arriver à Lily? Elle va subir des dommages mentaux permanents. Même le remède ne pourra rien faire pour elle. Ah! Très bien. Je démonterai le prototype pour éviter tout incident avec les Nocturnes. Désolé, mais j'ai vraiment pas envie de prendre de risques. J'ai vraiment, vraiment pas envie de prendre de risques. Désolé, hein, vous me le direz dans les commentaires si jamais je fais une connerie, mais je pense pas. Allez casser les oreilles à quelqu'un d'autre. Oui, je veux oui, rien oui. avoir à faire avec vous. Du coup, elle est où? Lily. Merde, je l'ai perdu. Lily. Où est Lily? Axel est là, et l'autre normalement elle est là. On observe, je le sens. Elle est peut-être là-haut. Lily. Oh. Oups. Me dis pas qu'elle est là. Ah non, elle doit être dehors. Elle doit être dehors. Ah, nickel, elle est là-bas. J'espère que tu n'as pas l'intention d'aller au barrage, chouchou. Ça sera sûrement très dangereux. Mais, je crois qu'on devrait voyager ensemble. Ça serait adorable, très... Allez, nice. Rex est là, tout le monde est là, ça c'est nickel. On devait aussi faire une quête pour la RNC. Persuasion musclée. Ah, c'est juste à côté, ok. Ouh. Attends, toi, on va te... Ah, on va faire une petite sauvegarde quand même.
J'espère qu'en voyant Lily arriver derrière, ils vont pas commencer à tirer. C'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde. Bon, je viens parler, bonjour. Norton. Nous, on s'intéresse aux mutants, pas à vous. Ouais, bah alors du coup, calme-toi, antivirus de merde. Optionnel éliminé, non. Partez ou vous aurez affaire à moi et vous regretteriez les super mutants. Ah, j'aime pas trop ce discours en fait. Mais bon, essayons. J'ai toujours su quand je devais me battre ou plier. Et je crois que je vais tranquillement partir cette fois. Mes hommes et moi, on s'en va. Vous ne nous reverrez plus dans le secteur. Merci. Parvenir à un arrangement. Tu te casses pas, je te casse ta gueule. Ok. Moi, j'aurais essayé en mode, mais non, les super métas, ils sont très gentils. L'autre est direct, hein. Casse ta gueule! La manière dont vous avez géré Keane m'a plu. Sans la présence des Nocturnes, Jacobstown serait devenu beaucoup plus faible. Et ces mercenaires ne vous causeront plus. C'est quoi cette histoire avec Nii? Il est intelligent, charismatique, mais assez cruel. Ouais, il se moque des humains. Il préfère les combattre qu'avoir à leur parler. Mais il a beaucoup d'influence sur les Nocturnes. Quand il parle, ils écoutent. J'espérais qu'il attirerait d'autres Nocturnes. Quand il parle, ils écoutent. Ouais. Keane est plus sain d'esprit que la plupart. Mais je sais qu'il pense à repartir. Il est agressif, impatient. Il ne tient pas en place. Ah oui, c'est vrai que... avec la quête secondaire, j'aurais peut-être pu... j'aurais peut-être pu les guérir. Ah, fuck. C'est pas... À cause d'une promesse que j'ai pas pu tenir. Les Nocturnes sont tous schizophrènes à cause des stealth boys qu'ils emploient ou employés. Les Nocturnes n'aiment pas qu'on les voit. Ils ont du mal à le supporter. Certains sont déjà partis à la recherche de Stealth Boys. C'est un vrai dilemme. Soit ils restent ici et souffrent, soit ils trouvent des Stealth Boys et sombrent dans la folie. Vous parlez d'un choix. Tu m'étonnes. Ouais, que se passe-t-il s'il s'en va? S'il part, c'est probable que d'autres Nocturnes le suivront. Tous, peut-être. Il deviendra difficile de leur trouver un remède. Pire, si Keane et les Nocturnes ravagent le Mojave à la recherche de Stealth Boy, des gens mourront. La plupart des humains mettent tous les mutants dans le même sac. Ils risquent de venir ici pour se venger. Ah, ok. Parlons d'autre chose. Et bah, ces mercenaires ne vous causeront plus d'ennuis aussi. Bien. Je suis content que vous ne les ayez pas tués. Leur départ prouve que nous ne sommes pas des mutants assoiffés de sang. Si la RNC ou qui que ce soit cherche un prétexte pour attaquer Jacobstown, c'est pas nous qui allons le leur fournir. Cool. Bah voilà. À une autre. Allez, des bisous. Ok, bon, ça, c'est fini. J'avais dit aussi que je voulais faire la mission du chien. Je voulais faire ces quêtes. Et on avait dit les tox. Si je me souviens bien. Chercher un cerveau canin exceptionnel chez les Tox. Abri 3. Ouais. Ok. Bon, bah je pense que c'est les Tox, c'est chez eux. Alors. Ah, encore ici? Oh merde. Il vise la tête. Alouette. Et un petit œil qui est parti, oui. Ah. Pff, ok, excusez-moi. Merde. Butez-moi pas le chien. Toi, tu bouges pas. Allez, oui, on l'a vu. Merci. Ah, je recharge. Ne. Merde, te mets pas devant. Boum. Le chien. Le chien. Putain, Rex. Ou je sais plus comment tu t'appelles. Arrête. T'aimes voir ton... Toi,
Foulu la paix. Merci. Ah ! Non, Vex est mort. Putain, mais merde. Parlons. Putain. Oh putain, la petite esquive. Ok, nice. Allez, on charge. Voilà. Putain de chien de merde, reste ici! Arrête tes conneries, bordel, tu vas te faire crever! Non, mais pourquoi elle peut charger, pas moi? Ça, c'est bien. Allez, viens ici! Bordel! Voilà, croque-lui le fion! C'est bon? Rex! Ah, arrête tes conneries! Bon, ça va, il est full life. Full life aussi, ok, ça marche. Calmez-vous, hein. Je t'ai eu. Ah, ça lui a frôlé la belle. La gueule. Viens ici, viens. Chibidibidi, hop. Give me a smile, bitch. Nickel, on s'en fout. Voilà. Qu'est-ce qu'il... Ah, je croyais qu'il allait repartir en mode « Allez, c'est parti !» Non. Oh là 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 là. Mais pourtant, j'ai buté tout le monde, mais 10 milliards de fois, c'est ça le pire. J'ai buté tout le monde ici 10 milliards de fois, mais on continue à revenir. Alors j'ai buté le chef et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous avais promis du fail. Bah voilà, le fail est venu. Le fail est venu, juste sauvegarde encore une fois. Sauvegarde pour nous, le jeu. Ouais, il est en pleine sauvegarde, je pense. Je vais quand même sauvegarder. Merci. Oh là 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 là, ça va tellement partir en couille. Bonjour. Oh. Ouf. À moi qui voulais me soigner là, y a pas de souci, hein. Nice. Ok, on change. Merde, c'est pas ça. Oh comment. Allez, se blé. Les jolis. Ok. Pff, comment il a chargé le T-Rex là. Violet. C'est original. Bon, c'est comme les gens qui s'appellent Rose, mais je pense que c'est plutôt la tête de Violet. Ah oui, ah, carrément, je... Excuse-moi, je prends ta tête, je te l'arrache avec les doigts. Violetta. Oh. Oh, t'es mon connerie, il m'a rejeté par la tête. La case. Et fouiller Violetta et prendre son cerveau. Parce que bon, les autres chiens n'ont pas de nom. Cerveau de Violetta. Voilà. Optionnel, chercher un cerveau exceptionnel. Et voilà, retourner à Jacob Stone et faire réaliser la transplantation de cerveau pour Rex. Super Steampack. Ouais. On y va de ce pas, laissez-moi faire le ménage comme d'hab. Rangeons ça. Cartouche de clope, ça c'est cool. Bloc-notes ferraille. Module de capteur, on s'en fout. Ferraille encore une fois. Je sais que je peux les vendre. Ah non, c'est vrai que non. L'autre il me propose de lui filer gratos, je crois. Ah, ça c'est cool. Oui, bah ça. On va te mettre un nouveau cerveau. 2 secondes.
Ça se trouve, en plus, j'aurais jamais retourné ici, autant fouiller et se faire un maximum de pognon, comme le dirait Ex-Ventura. Et comme je le dis suffisamment dans mes lives aussi, si jamais vous suivez mes streams sur Twitch, je vous mettrai l'adresse au niveau de votre écran, je ne sais pas où, quelque part, pendant le montage. Ah! Flap. Ah! C'est trop lourd. Lily? Tiens! M'a mis un cadeau pour toi! Oh putain. Arrête de faire ça, tu me fais flipper. Voilà. Missile, tu prends tout. Nickel. En off, j'irai vendre, il n'y a pas de souci. J'ai fouillé là-dedans, moi. Ah, Sunset Saparia. Vous inquiétez pas au niveau des munitions de micro-ondes à plasma, il n'y a pas de souci. Je lui ai filé énormément de micro-ondes à plasma. Bon, on va aller finir ça. La quête. Retourne à Jacobstone. Cherchez un cerveau canin exceptionnel au sein de... Non. On s'en fout de ça. J'ai eu le cerveau que je voulais. Réaliser la transplantation de cerveau à Jacobstone. C'est reparti, mon kiki. Salut. Allez, c'est reparti pour Jacobstone. Et en off, j'irai vendre tout ça. Tout. Encore boire, encore manger. En plus, ils ont des frigos. J'ai trouvé des brochettes. Ça, c'est cool. Plus de vitesse. Quoique, plus de vitesse, je me dis que maintenant, vu comment il court comme un salopio, bon, c'est pas grave. Allez. Je peux faire autre chose. Ouais, j'ai un nouveau cerveau pour Rex. Que donnent les recherches sur la guérison des nocturnes? J'ai des résultats prometteurs, mais j'ai besoin de temps pour synthétiser le remède. Je dois me remettre en... Ok. Bien. Bien. Montrez-moi ce que vous avez trouvé, que j'analyse tout ça. J'avais dû le chien de Tuck s'appeler Violette. Ça. C'est un gros cerveau, celui-là. Alors voyons un peu. Mince, on trouve de grosses quantités de cette drogue appelée Turbo. Si je greffe ce cerveau sur Rex, il sera plus rapide qu'avant. C'est pas grave. Asseyez-vous, ça va prendre un moment. Cool. Rex a obtenu l'aptitude limier infatigable qui augmente sa vitesse de déplacement. C'est bien sans être bien, parce que bon, quand il trace comme ça, il peut se faire buter, mais bon, c'est pas grave. Youpi. Voilà. Ça va mieux, Rex? Ça va? Ah, comment tu te sens? Ah, il est content. Ça va, c'est cool. Eh ben, ça a l'air d'aller mieux. Allez. Hop. C'est cool. Il avait la queue en l'air et tout. Bon, on m'avait dit, alors peut-être que c'est faux, que quand les chiens, en fait, ils enroulaient sa queue en l'air, ça veut dire qu'ils étaient contents. Qu'ils étaient heureux. Ah, oh putain! Comment j'ai fait pour pas le voir, celui-là? Hop. Merci. Heureusement que la troisième personne m'a aidé. Bah écoutez, on va finir cette vidéo ici. Oh, ah ouais, 45 minutes. Bon, vous, ça fera jamais 47 minutes, hein, après tout le montage que je vais faire. Normalement, ça devrait le faire. En attendant, bah, je vais vous souhaiter une très bonne année 2016. Amusez-vous bien. Moi, malheureusement, je vais travailler comme à Noël. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes aventures. N'hésitez pas non plus à commenter dans cette vidéo pour vraiment savoir votre ressenti. Si jamais je fais des bêtises ou quoi que ce soit, vous me le direz dans les commentaires, j'en suis sûr. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Et bonne année à tous. Et surtout, très bonne santé. Ciao ciao.